Mondial Sport vous propose les maillots de la nouvelle saison 2020-2021 avec des prix défiants. Toute concurrence, un maillot coûte 9000 francs CFA. Donc voici les maillots disponibles dans les boutiques de Mondial Sport. Juventus domicile, Inter domicile, Liverpool extérieur, Barça domicile, Arsenal domicile, Liverpool domicile, PSG domicile et un maillot spécial Paris Saint-Germain. Pour commander, contactez le 77 059 99 84. Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Garindiaï, Warul Tid, Warul Ragal, FC Barcelone, réorganisation de Feyam, Barça, c'est équipe qui font une sous l'air, Ronald Koeman pour mener retrouver leur meilleur niveau. Donc pour retrouver leur meilleur niveau, Messi, mais finalement, Messi est resté en Catalogne. Donc, il est entraîné. Mais Messi qui ne suffit pas, il faut des renforts de très haut niveau. Parce que depuis le départ de Neymar, Barça n'arrive pas à faire la différence, surtout au niveau offensif. Donc, Messi et Suarez ont sauvé les meubles. Mais ça ne suffit pas. Motor, selon les informations de la presse espagnole et anglaise, Sadio Mané fait partie des priorités de Ronald Koeman. Parce que Sadio Mané, avantage, moi, il a été déjà sous les ordres de Ronald Koeman. Koeman coaché Noko Southampton, donc il connaît bien Sadio Mané. Que Sadio Mané actuellement, il a besoin de relever de nouveaux défis. Donc lui aussi, maintenant un atout de taille pour le FC Barcelone. D'autant plus que, d'après certaines informations, Sadio Mané aurait refusé de prolonger son contrat. D'avoir pas prolongé son contrat, pourquoi pas quitter Liverpool de Robbie Fowler ou Noko Kerok Mané. Donc Klopp actuellement il est préoccupé. Klopp actuellement de faire des ragal Nyak Wijnaldum avec Sadio Mané parce que les deux joueurs sont visés par le FC Barcelone. Donc Fowler pour rien battre. Ça veut dire que donc affaire bi mu ngi gëna sérieux te Sadio Mané lutax mu wara mëna ñëw Barça parce que il est nek Barça kenn mu ci Sadio Mané. Sadio Mané du seen morom en soit xalé la même si amna talent mais nañ ko may temps mu gëna confirmer Ousmane Dembélé mom Sadio du morom ça c'est clair. Sadio Mané est beaucoup plus fort qu'Ousmane Dembélé sur le côté gauche. Sadio Mané statistique am Dembélé amuko te Dembélé il est beaucoup plus fragile. Sadio Mané mo gëna dëgeur physiquement parce que Sayamane filé jogé dafa lek ci ñankatan yi bané kek motax donc neexul té Antoine Griezmann c'est pas un ailier de formation donc il peut pas concurrencer Sayamane sur le côté gauche alors que Ronald Koeman il joue avec des ailiers forts. Des ailiers forts on n'en trouve pas comme Sayamane actuellement parce que c'est le meilleur ailier actuellement de la planète donc Memphis Depay ñu ko wax pour nous remplacer Suarez de même que Lautaro Martinez donc Sayamane bu ñëwé Barça warna mëna nek un atout dans le 4-3-3 parce que Koeman il joue avec un 4-3-3. Donc 4-3-3 bob Sadio Mané dina mëna nek à gauche Messi à droite Lautaro Martinez wala Memphis Depay nek en pointe après mu diex te il peut grandir kone a grandir derrière Lionel Messi parce que Messi bu ñé Messi mëna ko siwol parce que Messi c'est un joueur qui donne des caviar donc Sadio Mané mëna dougal un record de but jamais vu dans sa carrière donc avec Messi Sadio Mané élèverait un peu plus son statut de joueur de classe mondiale parce qu'à Liverpool il y a Salah il y a Henderson, il y a Firmino, il y a Van Dijk. Donc, nous avons des choses neutralisées. Mais si nous avons Barça, nous avons une dimension. D'autant plus que, aussi, Sadio Mané, il a été adulé par Messi. Messi a apprécié Sadio Mané. Il a voté pour lui. C'est-à-dire, Sadio Mané, c'est un très bon joueur. Donc, si nous avons Barça, donc, il y a un problème d'adaptation. Donc, moi, Sadio Mané, est-ce que Sadio Mané peut épauler Lionel Messi sous l'ère Ronald Koeman? C'est ça la grosse question. En tout cas, sauf à demain aussi, ça sera un gros challenge pour Mané. Donc, Mané Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal.